Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous présenter, vous parler de l'édition Soleil et Lune SL2 Gardien Ascendant, une édition qui est sortie le 13 mai 2017 et qui contient 169 cartes, dont 24 cartes secrètes. Alors, on va aller ouvrir et découvrir ensemble. Tout d'abord, c'est le classeur de cette édition. Un classeur qui permettait de ranger toutes les cartes de l'édition. Alors, vu qu'il y avait moins de 180 cartes, c'était un classeur où j'ai pu récupérer un classeur d'occasion, il est un peu abîmé, mais qui contient 180 emplacements, tout simplement. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon de toutes ces cartes. Je vais pouvoir vous en présenter une grande partie dans cette édition. En version normale, française, et aussi en version foil, comme vous pouvez le voir par exemple sur cette page avec Boostiflore, Ampiflore, qui sont des versions foil, Samurai aussi, ici, qui est une rare foil, la numéro 9, et donc toutes les cartes sont rangées dans le classeur dans l'ordre des numéros, et je ne sais pas si on voit bien, on va aller voir, hop, le Samurai, donc ici en bas gauche, on a le logo de l'édition, et on voit sur 145, donc il y a 145 cartes numérotées, on a 24 cartes secrètes en plus, des cartes qui sont parfois difficiles à obtenir, qui coûtent très cher, sont très cotées. Si vous achetez une boîte de 36 boosters, vous pouvez peut-être en avoir une ou deux à l'intérieur. Alors là, hop, je fais un petit tour d'horizon en même temps de la présentation des cartes. C'est toujours dans l'ordre des numéros, avec des cartes rouges. Après, on arrive aux cartes bleues avec Sablette, Sablero, Goupix, Tentacool, Tentacruel, Tarpeau, Cadoiseau, Carvana. On arrive aussi à Charpedovel, Mervelord. Et puis vous voyez, il y a pas mal de cartes qui brillent. Froussardine GX, une première carte GX que je peux vous présenter. Ce sont les cartes ultra rares, les cartes plus cotées, plus recherchées, on va dire, dans cette édition. Igolta, ici. Et on a aussi là une holo rare, c'est Grolem d'Alola. Continue. On arrive aux cartes violettes avec Ramolos, Flagados, Miasme, Miasmax. Je vais peut-être un peu les bouger comme ça, vous voyez. Il y en a quand même pas mal qui sont en version reverse. Et ici, on a Tocopillon GX. Une carte GX magnifique. Lunala, Machoke. Alors, des fois, il y a plusieurs versions de Pokémon. Des cartes qui se suivent avec le même Pokémon, mais dans des versions différentes. Lugarotz GX, ici. C'est plutôt sympa. Cette page est plutôt sympa parce que j'ai pu me procurer toutes les cartes. Comme je vous l'ai dit, 98% des cartes sont en version anglaise, française, pardon, et il y a peut-être quelques cartes anglaises qui sont à l'intérieur. Hop, on arrive ici, on a du Nymphali GX, une magnifique carte Nymphali GX. Cette carte, elle est waouh, une brillance magnifique avec du violet, du blanc. Voilà, on a aussi toutes les cartes un peu plus jaunes. Je regarde si celle-là, oui, c'est une rare holo Muplodocus. Alors je ne m'attarde pas sur toutes les cartes, c'est vrai que je vous les présente. En général, je vous présente le classeur. C'est plus une vidéo qui va s'adresser aux collectionneurs. C'est vrai que les cartes, on peut les trouver d'occasion. Certaines sont parfois à des prix assez élevés, je pense aux cartes ultra rares ou aux cartes secrètes qu'il peut y avoir dans des éditions. Hop, on va arriver au dresseur ici avec réserve naturelle du paradis d'Éther. Hôtel de la Lune. Hop, allez, pas mal de dresseurs dans cette édition, comme dans toutes les éditions. Bon, je ne sais pas si on voit en plus, la maille améliorée et nettoyage de terrain sont des versions holo, comme loterie d'énergie, recycleur d'énergie, pas mal de versions holo. Hop, on arrive à Civière aussi. Et derrière, je vais pouvoir vous présenter quand même des cartes un peu plus intéressantes. On a un, alors, Lugarox GX, qui est ici, qui est une version full art. Alors, c'est la numéro 100... Ouh là là, 100... 38 sur 145, elle est dans les dernières, je vais peut-être la sortir celle-là, je vais pouvoir vous présenter aussi cette carte. Alors ce qui est sympa en plus, c'est des cartes full art magnifiques, elles ont une brillance qui est un peu, une surbrillance on va dire, quand on les touche c'est un peu granuleux. Celle-là c'est la 143 sur 145, Pectorius, elle est magnifique, et j'ai au moins la chance de pouvoir vous présenter cette carte, qui est une carte énergie secrète, et celle-là c'est pareil. Alors, je ne sais pas si on voit bien la brillance. C'est la numéro 167 sur 145, qui a aussi un côté granuleux et une brillance assez incroyable, les amis. Donc ça, voilà, les cartes secrètes sont difficiles à trouver. Donc, pour cette édition-là, j'ai pu en trouver, en avoir une sur les 24, parce qu'il y en a quand même 24, c'est assez compliqué de pouvoir les obtenir. En tout cas, c'est bien, au moins je peux vous en présenter une et vous montrer à quoi ressemblent ces cartes. Elles sont numérotées au-delà des numéros de l'édition.
Parce que comme je vous l'ai montré, l'édition, on peut le voir, c'est 145 cartes. Celle-là, c'était la 143 sur 145. Et les cartes secrètes vont au-delà avec celle-là qui est la 167 sur 145. Après, je rajoute aussi des cartes énergie qui ont été découvertes dans les boosters concernés par cette édition et celle 2. Et donc voilà, les amis, c'était un tour d'horizon de cette édition qui est sortie le 13 mai 2017, donc qui était Soleil et Lune et celle 2, Gardien Ascendant. Et donc j'ai pu au moins vous montrer un bon nombre de ces cartes, et des cartes de cette édition. Je refais un petit tour d'horizon. Et puis voilà. Hop, et on va refermer le classeur. Et voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.